perspective. Résultant du programme de société soumis au peuple de Guinée par M. le Président de la République, d'une part, et conforme au plan national de développement économique et social, d'autre part. Hommage mérite d'être rendu aux organisateurs de cette série de consultations. Et mes remerciements s'adressent aux médias dans leur pluralité. À vous tous, mesdames et messieurs. Vous de la presse, qui, en vos qualités de vecteur idéaux, accomplissez avec amour votre noble et exaltant métier d'informateur aguerri et d'analyste éclairé. Je vous encourage à continuer ce devoir d'information, d'éducation et de sensibilisation, comme vous savez si bien le faire, dans l'obligation de l'éthique et de la déontologie de votre sacerdoce pour un service public de qualité. Mesdames et messieurs, chers invités, il me plaît de rappeler que le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation a pour mission la conception, l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi de la politique du gouvernement dans le domaine de l'administration du territoire et de la décentralisation. À cet effet, il est spécifiquement chargé de contribuer à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration des conditions de vie des populations à travers la définition et la mise en œuvre d'actions de développement durable. La politique nationale de déconcentration, de décentralisation et de développement local vise trois objectifs complémentaires qui sont 1. Un objectif institutionnel, contribuer à la refondation de l'État. 2. Un objectif de développement, améliorer les services apportés aux populations. 3. Un objectif de gouvernance, assurer une participation des citoyens à la vie publique locale, base incontournable pour le développement de la citoyenneté et de la démocratie locale. La vision stratégique, elle, consiste à restaurer l'autorité de l'État, consolider la décentralisation et le développement local en vue de répondre aux aspirations légitimes des populations, en lien avec l'ensemble des acteurs d'appui, notamment les structures déconcentrées, les collectivités locales et la société civile qui anime la vie nationale sur le terrain. Cette vision stratégique se décline à travers des actions qui visent à, premièrement, crédibiliser l'administration en la dotant d'administrateurs de qualité, avec des programmes d'appui cohérents et structurants, et impulser enfin une bonne gouvernance locale qui permette d'éviter les tensions et les conflits. Deuxièmement, contribuer à légitimer les élus locaux et nationaux par des élections libres et transparentes, afin que tout un chacun puisse comprendre et appréhender le fait que notre nation est désormais engagée sur la voie de la démocratie. Mesdames et messieurs, respectés invités, les actions phares contenues dans la lettre de mission actualisée que Son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, nous a adressée le 10 juillet 2018 portent sur les objectifs ci-après. Appuyer les collectivités pour l'appropriation du plan national de développement économique et social. Redynamiser la décentralisation et renforcer le développement local, réformer et moderniser le système d'état civil, contribuer au renforcement de la démocratie, assainir et améliorer le cadre de vie, et sixièmement, délimiter et matérialiser les frontières et participer à la sécurisation et au renforcement de la coopération transfrontalière. Mesdames et Messieurs, à la suite de cette introduction,
Vous me permettrez d'articuler mon intervention sur les points suivants. L'état des lieux de l'administration du territoire et de la décentralisation en 2010, en premier point. Les principaux acquis de 2010 à 2019, second point. En troisième position, les perspectives. Et une conclusion viendra couronner mon intervention. Bien, avant que je ne sois président du dialogue précédent, cinq autres étaient passés et les mêmes n'étaient pas toujours là. Autrement dit, aucun de nous, en la matière, n'est forcément tenu de rester chaque fois qu'un dialogue est engagé. Mais si vous avez suivi, ce dialogue est une continuation du comité de suivi qui n'est pas encore en rupture et lequel a cours jusqu'à la fin des élections législatives, c'est du moins l'arrêt qui approuve la signature des accords du 12 octobre. À savoir que le comité de suivi travaille jusqu'aux prochaines élections législatives. Donc, dans quelques mois, même le comité de suivi aura vécu son temps. En venant à la question de la CENI, je ne voudrais pas m'évertuer dans un exercice qui ne me semble pas très bien, c'est-à-dire répondre à la place du répondant. C'est la CENI qui répond aux questions qui me viennent à la CENI. Mais je fais un effort. L'effort, c'est lequel? La CENI a dit qu'elle n'a pas les résultats au niveau des quartiers. Je vais vous aider un peu. À date, quartier et district confondus à Guinée, vous avez 4311. C'est-à-dire qu'au niveau des communes urbaines, on parle de quartier. Au niveau des communes rurales, on parle de district. Les quartiers, donc, au niveau des communes urbaines, vous en avez 618. Les districts, au niveau des zones rurales, vous en avez 3693. Vous faites la somme, vous avez 4311. Hier, ceux qui ont eu la chance, comme moi, de suivre M. le président de la CENI, qui s'exprimait, n'est-ce pas, à la radio-télévision nationale guinéenne, il a été dit clairement que la CENI ne centralise pas dans les quartiers et dans les districts. La CENI centralise au niveau des communes, à travers ce que l'on appelle les CACV, les commissions administratives de centralisation des votes. Alors, un travail que vous n'avez pas fait à la base et que vous devez produire, je crois qu'il y a du temps à voir dans cela. Je ne parle pas en lieu et place de la CENI, mais je reprends exactement ces explications hier parce qu'elles ont été publiques. Et donc, la réponse, elle est là. La CENI est la seule habilité à donner la réponse qu'il faut par rapport à ce dossier. J'ouvre la petite parenthèse pour dire que le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation est constitutionnellement partenaire technique de la CENI. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Non. En vous rappelant qu'en la matière, Kenya n'est pas le premier exemple, loin s'en faut. Mamou, il y a eu le port de fête. Cancan, il y a eu le port de fête. Généralement, les reports de fête sont dus au non-accompagnement financier des projets d'infrastructures engagés. Ce qui, en soi, ne saurait être condamnable dans la mesure où la mise à disposition, puisque toutes ces infrastructures sont sur le budget national de développement, c'est le BND. Alors, l'accompagnement financier étant donc exclusivement national, la disponibilité des fonds est le garant de l'achèvement des infrastructures achevées. Généralement, cet accompagnement-là peut souvent connaître des retards et cela amène le report des fêtes. Mais soyez tranquilles, Kenya, les travaux sont engagés. 2020, la fête se tiendra dans la région de Kenya. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur. Encore une fois, lorsque vous me parlez de documents transmis par le ministre à tous les administrateurs pour interdire les manifestations, il y a mauvaise lecture.
Je serais bien heureux que vous m'en apportiez un jour la preuve. Claire et net. Ce que je vais vous dire, il n'y a jamais eu d'interdiction de manifestation en Guinée. Cela ne saurait être. Les manifestations sont constitutionnellement autorisées en Guinée. Mais faut-il savoir que pour aller à une manifestation, il y a des préalables. Le tout n'est pas de revendiquer un droit. Car en face de chaque revendication du droit, il y a la contrainte du devoir. Lorsque vous faites une manifestation, vous voulez faire une manifestation. Les principes réglementaires et constitutionnels vous mettent dans l'obligation, premièrement, d'adresser une lettre aux élus dans la circonscription desquels vous faites votre manifestation. Le maire, en l'occurrence, qu'il soit maire urbain ou rural. Ce dernier est dans l'obligation de vous répondre. Dans votre demande, vous précisez votre itinéraire de marche. Dans votre demande, vous donnez le nom des organisateurs et 5 d'entre eux doivent vous signer. Autrement dit, nous sommes les répondants parce que toutes les manifestations, dans leur acceptation générale, se placent sous le signe du pacifisme. Nous allons faire une marche pacifique. Nous faisons une manifestation pacifique. Ces préalables sont des mises sécuritaires. Alors, quand les gens disent « nous voulons marcher », mais ce que vous me demandez de faire, nous ne le faisons pas, cette marche n'est pas autorisée, elle est interdite. Alors, qu'est-ce que j'appelle marche interdite? C'est quand une marche est interdite et que vous voulez la faire, que nous l'interdisons. Cela aussi est constitutionnel selon l'article 23 de la Constitution, qui précise que l'État est dans l'obligation d'assurer la sécurité et le maintien de l'ordre public. Voilà ce que je peux répondre par rapport à votre question. Merci, monsieur le ministre. Je fais la part des choses. Comme partenaire technique, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation intervient à un niveau superstructurel, c'est-à-dire dans l'appui conseil. Parce que n'oubliez pas que jusque dans un passé récent, les élections étaient pilotées entièrement, totalement au ministère de l'administration du territoire. Donc, les ressources humaines sont là au niveau de son département pour faire ce travail. Les dernières dispositions au niveau de l'Assemblée nationale ont envoyé la fourniture du matériel lourd au niveau de l'État guinéen à travers mon département. Donc, nous sommes fournisseurs de l'équipement lourd, les véhicules, les trucs, etc. Quant au récépissé, c'est exclusivement, et c'est normal, c'est le domaine de la CENI. Mais hier, encore une fois, comme vous, en bon citoyen, j'ai suivi monsieur le président de la CENI, qui a été très clair dans l'explication selon laquelle le manque de récépissé n'était pas un handicap à l'obtention de la carte d'électeur. Si vous n'avez pas eu votre récépissé et vous êtes venu vous faire enrôler le jour de la distribution des cartes d'électeur, vous aurez la faute. Attendons que cela soit contrôlé sur le terrain pour que nous revenions à notre question. Merci. Le 4. Répétition de cette question. Si l'assistance a été attentive comme moi, j'ai développé cette question à savoir que le répondant de cette question, c'est d'abord pas mon département, c'est la CENI. Mais je me suis efforcé, après avoir écouté justement le fondé de pouvoir de la CENI, c'est-à-dire le président de la CENI, qui a donné de larges explications hier, au niveau des quartiers, en milieu urbain, ce qui s'appelle district en milieu rural, il faut les résultats par quartier et par district pour pouvoir installer. La CENI n'a pas ces résultats. La CENI a les résultats par commune rurale ou urbaine. Faut-il que la CENI
revoir ses archives, ressortir les résultats par quartier, parce qu'elle ne les avait que par commune, les ajuster et pouvoir s'adresser à qui le droit. Voilà, c'est une répétition pour moi par rapport à la réponse à cette question. Je voudrais rapidement vous dire que l'État ne saurait être en contradiction avec l'État. C'est une volonté affichée et matérialisée de l'État guinéen que d'encourager et de soutenir le mouvement associatif. Il vous souviendra que l'ajustement structurel en Guinée vers la fin des années 80 avait amené à ce que l'on appelle à l'époque le départ volontaire de certains fonctionnaires, que d'autres ont ironisé en parlant de départ volontaire obligatoire, parce que c'était suite à un test d'évaluation. Pour soutenir le flot de cadres désemparés, des structures ont été mises en place qui ont été appelées au départ CIO, ensuite SAPO, les ministres sont là, et aujourd'hui le CERPROMA. Il ne s'agit ni plus ni moins, au-delà de ces appellations, que de structures de facilitation, d'obtention d'agréments pour le mouvement associatif, pour les ONG. Et si vous avez suivi, cette idée de départ qui est donc bienveillante et arrangeante pour ceux qui sont dans le besoin d'obtenir de l'assistance et par ce biais du regroupement de se trouver un chemin dans la vie, malheureusement sur le terrain, cela n'est pas le cas. Aujourd'hui, je vous ai dit, on a 3500 ONG associations et 5000 groupements et bienfaitiers. Beaucoup sont dans les règles. Mais quand on m'envoie une demande, je veux travailler dans l'environnement, je suis obligé de me référer à monsieur le ministre de l'Environnement, qui, au regard des objectifs mentionnés dans la demande d'agrément, trouve la conformité avec la politique environnementale de ce gouvernement. La raison est très simple. Des gens ont eu des agréments pour dire nous allons planter, nous allons faire des têtes de source, on va les reboiser. Deux mois après, on les a trouvés avec des barrages à l'intérieur du pays, tout camion chargé de bois qui venait. C'est nous qui sommes la police du bois, pour payer de l'argent. Ils ont été arrêtés. D'autres ont pris des agréments pour dire nous luttons contre la pollution. Ils sont allés prendre des factures de 500 millions. À Sobragui et votre société ici. Or, l'agrément, c'est stipulé, et ça c'est tous les agréments que mon département délivre, c'est stipulé. Article 1er, nous sommes apolitiques et à but non lucratif. Je vous laisse, chers amis, voir vous-même sur le terrain aujourd'hui, les détenteurs d'agréments, s'ils sont apolitiques ou à but non lucratif. Donc, nous sommes obligés de faire une véritable police avant de délivrer un agrément. D'abord, vous voyez donc ce premier échelon où il faut que vous soyez en conformité. J'écris au ministre, soit de la Santé, soit des Finances, parce que des gens se sont constitués en boule comptable, ils voulaient créer. J'écris au ministre des Finances. Est-ce que ce que ces messieurs demandent est en conformité avec la politique de votre département? Généralement, dès que le ministre me répond pour dire oui, c'est en conformité, automatiquement, le CERPROMA est là, je mets accord et on délivre l'agrément. Mais je vais vous surprendre. Je vais vous surprendre. Aujourd'hui, au niveau du secrétaire d'État, le secrétaire général contre le crime organisé, le service du colonel Thiébro, il est là. Je vous invite à passer un peu dans ce service pour voir combien de détenteurs d'agréments sont aujourd'hui interpellés pour de l'arnaque à grande échelle, pas seulement en Guinée, mais au-delà de la Guinée. J'ai personnellement reçu le consul du Qatar en Mauritanie, qui a fait le déplacement jusqu'en Guinée pour dire, voilà, vous avez un agrément, et ce monsieur, depuis 3 ans, et chaque année, nous lui donnons de l'assistance pour 200 000 dollars. C'est lui qui s'occupe des orphelins, des paralytiques, des aveugles, des albinos en Guinée.
ils sont de nulle. Aucune trace dans la nature, ne sait même pas où. Et qu'on veut des agréments, c'est normal. Mais je vous assure, tous ceux qui veulent honnêtement des agréments, pour ne pas faire de la politique politicienne, alors qu'une ONG est apolitique et à but non lucratif, franchement, allez comprendre qu'ils ne vont pas délivrer. Des agréments politiques pour créer un parti politique, mais il n'y a pas de problème. Vous verrez, j'annonce pour la Direction nationale des affaires politiques et électorales. Ils étudient, ils trouvent qu'il y a matière à respecter dans cette demande. Il y a de problème, chaque Guinéen qui n'est pas poursuivi devant le tribunal et qui a la maturité, nous sommes tous libres de créer nos partis. Voilà ce que je peux dire.